Le but de la marche sur le feu, c'est arriver à toujours à maîtriser tous les caractères du corps. Dans l'histoire de la marche sur le feu, nous avons cinq divinités. Il y a les cinq frères Pandeva et plus Pandali qui représentent les cinq éléments du corps, à savoir l'air, la terre, le feu, l'eau et l'espace. Ces cinq éléments combinés, pour nous, ça donne la constitution du corps. Mais nous, l'hindouisme a mis en avant, c'est la déesse Pandali, parce que c'est le feu qui maintient l'équilibre dans le corps. Donc le but de la marche sur le feu, c'est de toujours travailler, améliorer nos qualités de le corps, c'est nos karatés, c'est-à-dire la colère, la jalousie, l'orgueil, la fierté, la vanité, tout ça doit être maîtrisé. C'est un moment où on ne peut pas décrire. C'est pas possible. C'est quelque chose de personnel, il faut le vivre. C'est un autre monde. Quand on est là, on ne voit même pas quand on passe. Pour moi personnellement, quand on est dedans, je vois plus rien. Pourquoi le carême? Quand on est dans nos vies quotidiennes, on mange de la viande, on boit de l'alcool, tout ça, ça excite l'esprit. L'esprit est excité, on n'arrive pas à se concentrer. Donc le carême, c'est fait pour ça. C'est limiter le repas aux végétariens, se coucher au sol pour avoir une hygiène stricte, de façon qu'on arrive à maîtriser son esprit. Voilà le but du carême, c'est arriver à maîtriser l'esprit. Pendant 18 jours, on va faire des rituels. On va commencer le premier jour par la montée du Kodi, c'est-à-dire le Kodi, c'est un drapeau qu'on monte pour célébrer le commencement d'une fête. Donc on commence par cette cérémonie et pendant 18 jours, on va faire les cérémonies, les rituels, les offrandes aux divinités et aussi on va faire le Mahabharatam Kadai, c'est-à-dire on va raconter l'histoire du Mahabharatam aux fidèles. Donc dans le Mahabharatam, dans l'histoire de Mahabharatam, l'histoire de la marche dans le feu, on commence par le commencement du monde. Comment est arrivée la vie sur Terre? Qu'est-ce qu'il faut pour que la vie soit possible sur Terre?